z <tune noise> Bonsoir, hop, je, je vous laisse vous installer car je vois que vous êtes très très nombreux. Oh là là euh, En tout cas, ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir en tout cas, que vous soyez au, au rendez-vous. Bonsoir donc, bienvenue ici à, à la BPI dans cette jolie salle dans le cadre du Festival Effraction, Festival de littérature contemporaine qui met en avant la création littéraire, littéraire contemporaine avec notre invité de, de, de ce soir, euh, que vous connaissez déjà tous depuis quelques années déjà, puisque bon, euh, ben voilà, tout simplement, euh, vous avez été déjà si jeune porté à l'écran, pour le petit écran. Vous avez obtenu le, le prix Goncourt, s'il vous plaît. Bon, à savoir Nicolas Mathieu. Je n'ai pas besoin de vous, vous présenter. Bonsoir, Bonsoir. Nicolas. Bonsoir. Euh, bienvenue pour cette, pour cette rencontre en partenariat avec euh, Lire Magazine euh, littéraire. J'évoquais d'une certaine manière les trophées, les honneurs, mais ce serait peut-être oublier les livres et le titre de ces, de ces ouvrages qui vous ont permis d'être découverts par un très large public, un public très varié, à savoir aux animaux la guerre, tout d'abord, il, il y a quelques années, qui tu que tu es classé en polar, puis vous êtes passé en littérature dite générale avec leurs enfants après eux qui a eu un impact considérable euh, jusqu'à avoir évidemment ce, ce, ce prix Goncourt. Et donc vous faites votre retour en ce début d'année avec bah, ce qui est déjà un des événements euh, littéraires euh, de, de 2022, à savoir Connemara toujours aux éditions euh, Actes Sud, et qui rencontre d'ores et déjà un vrai... Beau succès, en tout cas, qui provoque un bel enthousiasme en, en librairie et de nombreuses réactions de, de lecteurs assez enthousiastes, à vrai dire. Euh, bah, ça se passe bien, euh, Nicolas, pour, euh, pour vous, <laughs> tout simplement Jusqu'ici, tout va bien. <laughs> voilà, tout simplement. Donc, on a une petite heure euh, à discuter tranquillement tous les deux, mais évidemment, on va vous laisser la parole, d'autant que vous êtes, comme je le disais, très nombreux pour que vous puissiez poser toutes les questions que, que vous voulez à, à Nicolas Mathieu. Euh, Nicolas, euh, en ce qui vous concerne, très souvent, il y a une étiquette. Voilà, parce qu'on a tous des, des étiquettes d'une certaine manière. Euh, on vous classe volontiers en tant qu'écrivain du réel, en tant qu'écrivain social. Ce sont des, des mots qu'on retrouve très souvent dans les articles, dans les, dans les présentations. Est-ce que ces étiquettes, elles vous vont en tant que telles, ou elles vous gênent un peu quand même Et vous les trouvez un peu, allez, on va dire, réductrices bah, euh, Bonsoir déjà à, à tous. Euh, il y a des étiquettes qu'on me colle dessus et qui me dérangent plus que celles-là, parce que finalement, c'est un peu moi qui l'ai voulu euh, qu'on qu me, qu me les colle dessus. Je parle tout le temps de réalisme, de justesse, de reconstituer la vie telle qu'elle est, d'être au plus près, de, de, de restituer, etc. Donc ça, ça ne me dérange pas qu'on qu me la colle dessus. Euh, je ne pense pas qu'elle résume l'intégralité de mon projet esthétique ou, ou politique, mais... Mais au moins ça marche. Ça me, ça me dérange moins que quand on me dit que je suis un écrivain sociologue ou un, ou un transfuge. Ça, je trouve ça très réducteur pour le coup. Oui. Alors, en tout cas, Nicolas, on vous, on vous décrit aussi souvent, on vous qualifie d'écrivain qui sait capter la réalité sociale d'aujourd'hui, prendre attention aux, aux petits détails et à ces choses qu'on ne voit pas forcément à la télé ou qu'on qu n'évoque pas assez suffisamment. Quelqu'un qui capte pratiquement l'âme du pays d'une certaine manière. C'est aussi, aussi quelque chose qu'on a, qu a, qu a souvent évoqué à votre euh, sujet. Mais avant de revenir à ça, on est toujours le fruit de son expérience, de son apprentissage, de sa vie, tout simplement. Euh, Est-ce que vous, déjà, quand vous étiez enfant, même de manière inconsciente, vous preniez attention à ces petites choses du quotidien et vous en déjà déduisiez déjà quelques petites choses sur l'état du monde Oh non je, Alors très très tôt, j'ai eu envie d'écrire, ça c'est vrai. J'ai euh, très tôt, j'ai été un, un lecteur quand même acharné. Très tôt, j'ai admiré beaucoup les, les, les écrivains. Euh, et les écrivaines, et j'ai aspiré à mener ce genre de vie, ça c'est vrai. J'étais très euh, précoce dans mon désir d'écrire, euh, pas tellement dans mon talent, en revanche, ça a mis longtemps à se construire. Euh, j'ai longtemps été médiocre. Et euh, <laughs> et euh, Vous êtes modeste. Ah non, 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 mais vraiment, euh, enfin, si quand je retombe sur des trucs que j'écrivais à 20 ans, et quand je vois des gens qui sont publiés à 20 ans, je dis vraiment, j'étais à la ramasse, quoi. Il m'a fallu échouer longtemps et investiguer des des cul-de-sac avant de trouver euh, mes moyens. En revanche, euh, comment s'est construit mon regard, euh, ça c'est quand même plus tard, hein, je pensais. Ça commence plutôt à l'adolescence, et puis euh, les années d'étudiant, euh, quand je vais en lisant des euh, voilà, les sciences sociales, euh, et puis en, en... Ce qui a construit mon regard, c'est les lectures aussi. Voilà. Ce n'était pas inné cette affaire-là. Au départ, je pense que pour tout le monde, le monde apparaît comme quelque chose d'assez opaque et premier degré et que les, cet effort de dévoilement, euh, de démystification, euh, il ne se fait pas tout seul, il ne se fait surtout pas par bonne volonté. C'est pour ça que ça me, ça me peine toujours quand les, les gens euh, se plaignent d'être affectés négativement par une lecture, que ça les heurte, ou, euh, ou qui, parce que je pense que un, la lecture doit nous faire violence, et c'est par ces chocs-là qu'on qu peut arriver à se dessiller. Mais est-ce que, vous, tout simplement, est-ce que vous étiez déjà dans, dans une famille, j'allais dire, où on lisait, où on lisait beaucoup Oh non, je ne peux pas dire ça. Ma, ma, ma mère lisait pas mal, mais euh, c'était des lectures... Euh, euh. Alors, je dis ça vraiment sans, sans condescendance aucune, mais, mais voilà, elle, elle lisait les livres qu'il y avait dans Françoisir, euh, des, des sagas familiales, des, des choses comme ça. Et mon père, lui... Mais qui lit... représente tout un pan de la culture populaire. exactement hein. il faut, oui, il faut vraiment oui. Souvenir. Euh, oui, oui, voilà. Et puis il y avait d'excellents bouquins, et moi aussi j'en lisais. Euh, mais enfin, elle, elle lisait pas les livres de la rentrée littéraire. Cela dit, elle regardait quand même Pivot avec euh, vénération. Euh, euh, je pense que ce qu'il a le plus touché dans mon concours, c'est que j'ai déjeuné avec Bernard Pivot, en fait. Et puis, euh, <laughs> et puis, euh, comment. Mon père, lui, alors, il ne lisait que l'été, jamais de fiction, et euh, des documents ou alors il avait une passion, euh, et moi aussi d'ailleurs, pour, pour Pierre Belmar. Voilà, c'était un peu les, les choses qu'on lisait chez moi. Énorme succès de librairie euh, pendant très longtemps. Oui, oui Belmar, ça reste oui. passionnant. Euh, bon, ben bah, voilà, ça, ça remplit pas une vie de lecteur, mais c'était quand même pas mal. Mais pour le coup, vous, qu'est-ce que vous lisiez euh, quand, vous étiez, euh, quand vous étiez gamin, tout simplement il y a beaucoup de choses, la, la, la bibliothèque verte, euh, euh, j'aime lire, je bouquine, ça a quand même beaucoup nourri euh, à la fois mes, euh, mes appétits, parce qu'il y avait des biographies d'écrivains et que je fantasmais beaucoup là-dessus. Puis Sherlock Holmes, alors ça, ça a été la grande passion de mon enfance, Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Puis après, euh, euh, vers 10-12 ans, euh, il s'est passé d'autres choses, quoi, des lectures plus adultes. Oscar Wilde, je me souviens que le portrait de Dorian Gray ça a été un cap quoi dans, ma, dans, mon, dans mon parcours de, de lecteur euh, La nausée de Jean-Paul Sartre alors ça j'ai lu ça en, en quatrième, j'étais pas prêt quoi et ça m'a fait un, un gros... je suis passé du côté euh, mélancolique de la vie à ce moment-là et puis euh, plus tard, en première, là c'est les grands chocs et finalement qui continuent à, à nourrir ce que je fais voilà, euh, Flaubert, Céline, Cohen, dont je suis revenu, mais que j'ai vraiment aimé passionnément. Voilà. Encore une fois, on est un peu le, le fruit de, de nos constructions d'enfance, d'une certaine manière, notamment notre manière d'aborder les histoires. Or, quelque chose qui revient souvent vous, vous concernant, euh, bah, c'est le côté quasiment cinématographique, ou proche des, des séries télé, de, de, de vos romans. Là, encore une fois. Je m'attarde encore sur l'enfance. Est-ce que vous étiez déjà cinéphile Est-ce que vous aimiez les feuilletons télévisés, des, des choses comme ça Ah oui, oui, alors ça, je dévore. Je viens d'une catégorie sociale relativement modeste, mais quand même, on avait un magnétoscope. Et, euh, et j'enregistrais les films du, du mardi soir et du dimanche soir et, et je regardais ça euh, euh, avec déléta... délectation. J'ai dû voir l'As des As 60 fois. Euh, voilà, ça s'est formé comme ça, puisqu'on parle de l'enfance. C'est Serge Danet qui disait ça, le cinéma c'est l'enfance, au départ c'est des plaisirs assez naïfs et candides, et puis des modèles de comportement aussi. Euh, on regarde Jean-Paul Belmondo, puis on se dit tiens, ça serait peut-être chouette de grandir comme ça. Donc oui, ça s'est nourri euh, comme ça, puis, puis après ça s'est étoffé. Euh, et puis j'ai fait des études de, de cinéma, j'ai lu beaucoup sur le cinéma, et euh, je pense que j'ai une écriture qui part quand même beaucoup euh, de la vision. Et puis aussi qui est construite comme le cinéma, c'est-à-dire que ça part des personnages et les personnages, ils se mettent à exister dans des situations. Voilà. Euh, mais ça, c'est un héritage à la, à la fois du, du cinéma, mais aussi peut-être du roman noir, parce que dans le roman noir, il y a une grande tradition behavioriste, donc comportementaliste. Et justement, c'est quoi les, le comportementalisme C'est faire exister des personnages par des situations, pas par la psychologie. Alors moi, c'est pas ce que je fais. Il y a tout le temps des montées en généralité, des analyses, de la psychologie, mais dans la structure de mes histoires, ça fonctionne toujours un peu comme des films ou comme des séries, effectivement. Ouais. Et j'en ai par contre, je n'ai pas, pas l'impression que ce soit avoir une image dégradée de la littérature. Je pense que la littérature, et le roman notamment, euh, ce sont des formes bâtardes par nature et qui doivent être euh, hybrides, où on peut faire rentrer absolument tout ce qu'on veut du vécu, du cinéma, des lectures euh, de, de la musique la, de la musique euh, et même de la musique euh, très populaire on va y revenir euh, ouais. bien sûr. Mais, euh, Nicolas, d'ailleurs euh, on va revenir sur Le Polar, mais je note que vous avez évoqué le nom de Sherlock Holmes à l'enfance, il est possible qu'il revienne dans cette, dans cette discussion vous avez évoqué d'une certaine manière ces premiers écrits de jeunesse, à quoi il ressemblait justement, il date à peu près de quel âge ces, ces, premiers, ces oh, premières ben, tendances euh, oui. euh, ces premières choses griffonnées Oh, J'avais 7-8 ans, oui, je me souviens qu'à 8 ans, je me suis fait offrir une machine à écrire. Je, je fantasmais quand même très fort la figure de l'écrivain. Euh, alors je ne me faisais pas encore offrir du whisky, mais je me faisais déjà offrir une machine à écrire. Et les, les histoires que je racontais, mais c'était les, les petites histoires de, de SF. Je me souviens aussi d'avoir énormément fantasmé euh, sur la bande-annonce de, des Goonies à l'époque. Et mes parents voulaient pas qu'on aille le voir au cinéma. Alors, à partir des, des, des bribes que j'avais vues à la télévision, j'avais j'avais fantasmé qu ce qui pouvait s'y dérouler, etc. Donc, euh, voilà, c'était euh, c'était encore une des, hmm, des littératures d'évasion, de, quoi, de de, de, de l'imaginaire beaucoup. Ouais. Notez encore une fois cette proximité entre l'image et l'écrit chez euh, chez vous. Mais pourquoi vous, vous n'avez vous ne vous êtes pas lancé vers des études littéraires à, à proprement parler Parce que j'ai détesté le lycée. Mais alors, vraiment, quoi. Moi, à 17 ans, j'ai fait ma première dépression. C'est pour vous situer un peu le, le truc. Et que ma prof de lettres m'avait dit si tu fais des études de lettres, tu seras prof. C'est ça le débouché. Et je ne voulais plus jamais retourner à l'école. Il y a des <laughs> profs ici, j'imagine. A... Mais, <laughs> mais moi, ce n'était pas le, le, le mépris de l'enseignement du tout. Et, et, et plus tard, j'ai regretté d'ailleurs de ne pas l'avoir fait. Mais je ne voulais plus jamais mettre les pieds dans un lycée. Je ne voulais plus avoir affaire de ma vie à une classe. Voilà. J'avais été vraiment très malheureux dans, dans ces institutions-là. Et puis, je ne m'imaginais pas du tout pouvoir travailler à l'université euh, ou à un truc comme ça. Enfin, quand même, je n'avais rien branlé du tout au lycée pendant longtemps. Je n'étais pas un très bon élève au lycée. Quoi. Donc, euh, Moi non plus. <laughs> ah ouais, à la fac, ça s'est amélioré. Quoi. Mais, euh, donc, euh, voilà, je n'ai pas envisagé ça et j'ai fait de l'histoire en me disant euh, que ça pouvait mener à tout à condition de ressortir. Oui, évidemment, mais, mais pas seulement. Donc. Et, et, euh, une fois vos études terminées Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie Ah bah J'ai ramé, et puis longtemps. Hein. Il <laughs> J'ai des amis qui, qui, qui peuvent en témoigner. Euh, parce, que, alors, parce que je crois euh, que vous avez multiplié les jobs, hein, vous en avez un parce certain a, nombre. En fait, j'ai fait six ans d'études supérieures, mais d'une manière un peu absurde. Euh, C'est-à-dire, j'ai fait des... six ans d'études supérieures, mais mon plus haut, haut diplôme, c'est un Master 1, en fait. Donc, c'est complètement débile de faire ça. Euh, j'ai fait j'ai panaché mes études. J'ai fait des histoires de, l'histoire de l'art, du cinéma, de l'histoire. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, je, je ne pouvais pas valoriser ce que j'avais acquis. Ça n'avait pas vraiment de valeur. Ça, jamais, j'avais pas de compétences. J'avais pas de métier. Euh, j'avais fonctionné sur des motifs un peu. Euh, du, des années 50, quoi. Une licence, et puis tu deviens journaliste et, et pris Goncourt. Ouais. <laughs> et ça s'est pas du tout passé comme On ça. On n'est pas maintenant. toujours comme dans un film de la Nouvelle Vague. Hein. Voilà, exactement. Et alors j'envoyais des CV partout, puis je me faisais claquer la porte sur les doigts. Et donc j'ai fait des tas de trucs, j'ai fait de, 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 des cours de soutien, j'ai travaillé dans des, des agences de presse en ligne, mais sans avoir jamais de carte de journaliste. J'ai passé aussi beaucoup, beaucoup de temps à faire des comptes rendus, des procès-verbaux de réunion. Voilà. Donc, j'arrivais dans des endroits. On est dans la rédaction, c'est une certaine oui, forme d'écriture. Oui, c'est ouais C'est vraiment littéraire en un sens <laughs> En quelque sorte Oui, si on veut, parce que c'est vrai qu'il y avait un effort euh, de style, puisqu'on écoutait ce qui se disait dans une réunion, donc euh, généralement dans des comités d'entreprise, donc il y avait une direction et des salariés, et les gens se parlaient, donc c'était un langage oral, et il fallait l'élever en, en, en direct, quoi, à la puissance de l'écrit. Et je, je me souviens, parfois c'était un peu animé. <laughs> Et je me souviens par exemple d'une conversation qui m'avait frappé où un DRH disait aux salariés Mais, mais euh, euh, comment vous. Euh, vous discutez des poils de cul alors qu'on est au bord, du, au bord du, du dépôt de bilan. Et moi je tapais en temps réel Vous ergoter sur des points de détail alors que nous avons des grosses difficultés financières. <laughs> Donc oui, il y avait quand même un effort de style. <laughs> Capter le réel prend parfois des, des destinations hyper, un, un peu inattendues d'une certaine, euh, certaine euh, manière. Mais. Lorsque vous avez multiplié tous ces, um, tous ces, tous ces boulots, est-ce que l'écriture était là malgré tout Est-ce qu'à côté, vous continuez d'écrire, d'écrire, que ce soit des romans, des poèmes ou peut-être des nouvelles Oui, oui. Bah, de, de, ça s'est toujours resté là. Et euh, ça avait un coût parce que j'ai presque toujours réussi à, à avoir des emplois à temps partiel. Donc c'est de l'argent que je ne gagnais pas, cette semaine par mois que, durant laquelle je ne travaillais pas ou ces deux jours par semaine que je réservais pour écrire. Euh, et j'écrivais, j'écrivais, et j'ai écrit des nouvelles, j'ai envoyé un recueil de nouvelles qui a été retoqué. J'ai écrit ma, ma fameuse Purge narcissique, mon roman d'à 25 ans, qui a été retoqué lui aussi. Euh, voilà, Mais j'ai toujours continué à, à écrire, à écrire aussi euh, pour devenir euh, écrivain au départ. Et, et peut-être que les choses sont devenues intéressantes et valables à partir du moment où j'ai écrit pour raconter le monde et plus seulement pour prendre des distances avec... Euh, avec l'univers dont je venais et le milieu social dont j'essayais de m'extirper. Oui. J'aimerais juste insister sur un détail, parce qu'on s'aperçoit que nombre d'écrivains, en particulier de votre, de votre génération, Nicolas, passent par, ce, par cette case, par cette, par cette épreuve d'une certaine manière, qui est celle de l'écriture de, de nouvelles et des concours de nouvelles. Vous, vous avez participé, je crois, à un certain nombre de, de concours, et vous avez même peut-être reçu quelques récompenses. Oui, euh, oui. <laughs> à l'université, oui, j'avais gagné un concours, le, le, le fameux concours. Peut-être que ça existe toujours, le, qui était organisé par le Crous à l'époque. Euh, et puis euh, plus tard, euh, l'association des cinémas d'arrêt, c'est enfin, oui, voilà. Et euh, c'était un, un exercice que. Enfin voilà, c'est un peu un, un lieu où on, on fait ses armes, quoi. Euh, c'est euh, J'ai eu l'impression, en tout cas, autant. Faire du roman noir, ça n'a pas été un lieu où je me suis exercé avant de faire du, du, du roman euh, clair. Euh, autant la nouvelle, c'est vraiment un, un lieu d'expérimentation, un, un laboratoire, un, un endroit où, euh, à moindre frais, on fait ses armes. Quoi. Parce que les, tenir la distance d'un roman, c'est quand même assez difficile. Ça demande une abnégation, une. une comment dire. Euh, une persévérance et puis aussi euh, une discipline qu'on n'a pas forcément quand on est plus jeune. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas. Alors, est-ce que justement tous ces textes écrits à ce moment-là, ces nouvelles, étaient déjà marqués par ce côté un peu réaliste qu'on retrouve dans, dans vos romans aujourd'hui Vous étiez dans quelque chose de différent Vous cherchiez votre, votre ton, en quelque sorte oh, Je ne saurais pas dire, Et puis j'ose pas remettre le nez dedans, j'ai peur de, de, de me faire peur. Euh, euh, je, euh, je pense quand même que c'était... Euh non, c'était en train de se, en train de se faire petit à petit. Enfin, euh, euh, devenir un vrai auteur, c'est trouver une chose quand même, c'est euh, sa voix, sa manière, son style. Et ça, ça prend vraiment du temps. C'est-à-dire quelle langue on parle. Et euh, ça m'a pris 25 ans à, à développer euh, ce, ce truc-là. Et puis aussi un point de vue où on se met dans une histoire, comment on la raconte, euh, comme au cinéma. Est-ce qu'on met, vous savez, comme Ozu qui met sa caméra à hauteur d'enfant, c'est pas la même chose que Orson Welles <laughs> qui fait des, des, comment dire, des, des, des contre-plongées euh, et, euh, hein. voilà. Donc il faut choisir aussi à quel endroit on se met, euh, avec comment on va regarder les personnages, quels effets on va essayer de produire. Et puis euh, le, longtemps, moi j'ai j'ai voulu écrire euh, comme l'école me l'avait appris. Et puis après j'ai beaucoup copié aussi, j'ai essayé d'écrire comme Céline. Et vous voyez puis un jour on se rend compte qu'on est tramé par différentes langues et puis qu'on va essayer de les rendre quoi et c'est mais ça ça se décide pas ça se, ça se tricote j'ai l'impression alors dans, dans quel contexte et à quel moment vous êtes vous lancé dans aux animaux à la guerre qui est devenu le, le succès qu'on qu connaît et qui vous a véritablement lancé oui' Euh, bah à ce moment-là, vraiment, j'avais une vie assez difficile. Je faisais donc ces procès-verbaux euh, trois semaines par mois, euh, toute la journée à écrire ce que des autres disaient, et, et que c'était quand même un, un, un boulot très pénible. Euh, je, je le raconte souvent, mais c'est vrai, j'arrivais toujours le premier, parce que je ne pouvais pas être, me permettre d'être en retard, et j'installais euh, mon micro, mon ordi, etc. Et, et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui passait la tête dans la pièce et qui disait, ah, il n'y a personne. Et puis il repartait. C'était ça ma vie. Fait être six personne. Voilà, j'avais fait six ans d'études supérieures. J'avais voulu être Hemingway et j'étais personne. C'est un d'un film, ça. Mon nom est personne, d'ailleurs, <laughs> <'ailleurs, mais> bon, <laughs> oui, voilà. Vous qui aimez parfois les films <laughs> oui. De... Oui, où vous Oui, Il, bah, on assume, très bien. Oui. Moi aussi. <laughs> et euh, donc c'était pénible, mais. Ça m'a permis de, de traverser des tas de milieux professionnels différents, d'aller dans, dans le cœur du réacteur, dans des, dans des toutes petites boîtes, dans des, des grandes compagnies d'assurance, dans des usines qui fermaient, euh, dans des voilà des, des entreprises qui licenciaient du personnel et il y avait des plans sociaux. Et j'assistais à tout ça et notamment en 2008, le moment de la crise des, des subprimes, où là j'ai fait plein de plans sociaux dans des usines. Et puis euh, et puis finalement dans ces usines, je me suis trouvé très à l'aise. Parce que les, les mecs qui travaillaient là, en fait, ils me rappelaient euh, mon père. Et je je, c'était facile, en fait, de parler avec eux. Et je me suis dit, comment je pourrais raconter ça Et c'est le moment où écrire, ça a cessé d'être un moyen pour prendre des distances, pour devenir quelqu'un, et que c'est devenu une manière de raconter le monde que je connaissais. Et à partir de là, moi, quand je fais des interventions dans des bahuts et qu'il y a des gamins qui me demandent comment... Comme, quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un qui veut devenir écrivain Je cite toujours, alors je me répète, vous l'aurez peut-être déjà entendu, mais la fameuse phrase de, du boxeur poids lourd Joe Louis, qui à la fin de sa carrière, on lui demandait quel bilan tirez-vous de votre carrière Il disait J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. C'est la deuxième partie de la phrase qui est très importante. Il ne faut pas écrire des livres avec ce qu'on n'a pas il faut, faut faire avec ses, son, son métabolisme, ce dont on est capable. Voilà. Et moi, ça m'a pris très longtemps de, de, de découvrir ce que je pouvais. Voilà. Longtemps, j'ai écrit hors de ma portée. Mais en tout cas, aux animaux, la guerre, c'est aussi une rencontre avec un sujet à me proprement parler. Juste représente un tout petit peu le livre pour que ceux qui ne, ne, connaissent, ne le connaissent pas aient un petit peu le, son univers en, en tête. Ah, alors ça, j'ai toujours beaucoup de mal, mais. Euh, une petite très vallée très dans les Vosges, la dernière usine ferme. Et euh, cette violence sociale va se traduire par de la violence tout court, c'est-à-dire que les, ces mecs qui perdent leur emploi deviennent, deviennent un peu prêts à tout, on va dire. C'est un roman noir, donc euh, il y a une intrigue euh, criminelle liminaire qui sert à parler d'autre chose, euh, raconter euh, la crise, raconter la désindustrialisation, et puis peut-être encore plus, qu'est-ce que c'est que la vie des gens tout bêtement les paysages les, les sentiments euh, la famille des choses qu'est ce que c'est qu'écouter euh, l'autoradio sur une route en lacet entre les sapins voilà finalement euh, euh, les histoires avec des, des guns et des poursuites et tout ça ça n'est jamais que le prétexte à raconter ces choses là alors justement comment a, a été publié parce que c'est aussi une aventure éditoriale amusante comment a été publié ce, ce roman eh ben, à l'ancienne, euh, <laughs> j'ai fait imprimer 10 euh, exemplaires euh, du, du texte, euh, ce qui m'a coûté un peu cher. Euh, je l'ai envoyé à 10 éditeurs, et il y en a qu'un qui m'a répondu favorablement, et c'est resté mon éditeur, c'est Manuel, Manuel voilà. Et euh, voilà, à l'époque, je travaillais à la mairie de Paris, il m'a appelé, et il m'a dit, euh, bon, bah, je viens de commencer votre... Euh, J'avais 35 ans, hein, ça faisait longtemps que que Ça ne marchait pas quand même. <laughs> et il m'a dit ben, Je viens de commencer votre livre, on voit tout de suite que c'est un écrivain. Bon, bah ben, voilà, ma vie avait changé. C'était fait quoi. C'est-à-dire que même avant la publication, il y a, il y a cette espèce de baptême, de, de par, parole performative de, de l'éditeur, dont c'est le métier, et qui dit Toi tu en es. Tu, 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 tu fais partie de, de, de ces gens-là. Et ça faisait quand même longtemps que j'étais je, je, que hanté par la, la possibilité de. de de faire ça en pure perte ouais. ouais. est-ce que soudain vous n'étiez plus vous n'étiez plus personne oui. Ouais. oui oui ah, oui, oui. c'est vrai que, et que ça ça m'a réglé plein de névroses que j'avais bon très vite j'en ai j'en ai cultivé d'autres mais euh, sur le moment ça m'a fait quand même euh, beaucoup de bien ouais vraiment euh, je ne crois pas avoir vraiment euh, une place sociale où, où quand alors moi les quand les journalistes me disent euh, euh, Dites-nous quel est votre endroit préféré. Euh, Parlez-vous nous de, de, de l'endroit vous aimez aller boire. Je ne sais jamais dire répondre à ces questions. Je, je ne me trouve jamais nulle part à ma place. Mais ça, ma position d'auteur, d'écrivain, ça encore j'ai encore un peu de mal à dire. Mais ouais là ça ça m'a ancré dans un truc où quand même ça allait mieux quoi. Alors mais justement lorsque voilà. Vous alliez publier cet, cet ouvrage, ça y est, vous faisiez partie de la famille d'une certaine façon. Néanmoins, il y avait un petit souci. Est-ce que vous releviez de l'étiquette Polar ou plutôt de la littérature générale Ah mais moi, ce n'était pas du tout un souci, ça, pour moi. Et euh, euh, comment j'étais très fier de faire du, du roman noir, d'appartenir à, à ce monde-là qui m'a accueilli vraiment à bras ouverts. C'était un moment de ma vie où j'étais réduit à... C'était dur quand même. Je faisais un burn-out, euh, j'avais des problèmes personnels. Un thème ne va peut-être retrouver ouais. pas un peu plus tard dans votre rapport. J'avais des problèmes personnels, euh, je ne peux même pas vous en parler. Euh, euh, et le, le monde du polar m'a accueilli à bras ouverts. C c ça a été une famille et j'étais très fier. Je l'avais fait à dessin, j'admirais les gens qui s'y trouvaient. Je trouve que c'est un genre qui a une valeur éminente pour parler du réel, pour parler des crises. Pour traiter des, des vies moyennes et des, et des marges, etc. Donc, non, non, ça ne me posait pas de problème. Et leurs enfants après eux, moi, j'ai longtemps cru jusqu'au bout euh, que c'était un roman noir. Je l'ai écrit comme ça, quoi. Et c'est mon éditeur qui m'a dit que ce n'était pas le cas. Alors, justement, la réception de Dos Animaux de la guerre a été assez, assez remarquable, mais vous avez touché, puisque ça, c'est aussi une spécificité française, avant tout, un public de polar, c'est-à-dire les journalistes par exemple spécialisés dans le polar, les libraires qui particulièrement mettent en avant les, les, les polars. Hein. Il y a des chapelles, oui. Ouais, ouais. À euh... Est-ce que vous avez cette sensation que, en France, en tout cas, il y a quand même cette, euh, cette scission, en quelque sorte, en tout cas ces différences, ces clochers, en quelque sorte Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est lié à, à la construction du marché du livre, c'est-à-dire la littérature, pardon, mais il y a aussi le marché du livre. Et euh, comment on fait avec des objets qui sont à chaque fois des, des, des prototypes pour trouver le, le bon client Et donc il y a la question des genres et, et finalement du targeting, targeting, etc. Et ça, ça produit euh, effectivement des effets de chapelle où des gens qui lisent du polar ne lisent rien d'autre, mais encore plus souvent des gens qui lisent de la littérature générale ne veulent absolument pas lire de polar. J'ai l'impression que c'est davantage dans ce sens-là que ça se passe. Et avec euh, des préjugés, préjugés euh, par rapport au style et à la, à la violence aussi, c'est-à-dire que euh, les, les gens qui vont pas vers le polar souvent ils craignent un excès de brutalité qui serait au-dessus de leur force. Alors au moment où allaient paraître leurs enfants après eux, il euh, bah, y a eu une, la série télé entre-temps qui a été faite, qui est sortie à peu près au même moment, qui a été diffusée en novembre, au moment, et euh, en novembre pile là. au moment du Goncourt. Du, euh, ouais. du Goncourt justement. Est-ce que vous aviez par euh, participé, j'allais dire, à, à l'écriture et la transposition de votre roman? Dans une œuvre audiovisuelle. Ah oui, oui, on l'a coécrite avec le, le réalisateur et euh, Alain Tasma. Et euh, c'est pas une mince affaire écrire une série. C'est long et on se pose plein de questions qu'on se pose pas en littérature. Par exemple. Ah bah en littérature, si vous ouvrez le frigo, vous n'êtes pas obligé de le fermer, tu vois. Enfin, c est, c est le, 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 il va le déduire le, le lecteur. Euh, enfin, en, au cinéma, si, il faut refermer le réfrigérateur, sinon ça pose un problème dans le plan. Mais je veux dire que la, la, le, le rapport aux choses matérielles, au coût. Euh, 100 000 chevaux, c'est lancer dans la plaine, ça coûte rien. Hein, quand vous êtes dans votre bureau, euh, sur un plateau, c'est pas la même histoire, quoi. Donc euh, tout ça. Et puis euh, les décideurs, les diffuseurs, les producteurs, les machins. Euh, on a été relativement gâtés, mais euh, c'est des gens euh, qui peuvent avoir euh, le désir d'exister en, en vous cassant les pieds, quoi. <laughs> Et puis bon, c'est leur métier. Et donc euh, oui, c'est un exercice très différent. Mais contrairement à l'écriture romanesque, en tout cas dès que moi je la, la pratique, il y a un plaisir, c'est celui de travailler à plusieurs. Parce qu'on est très seul dans un, souvent dans l'écriture de, de romans. Enfin, il y a des romanciers qui écrivent à quatre mains, je le sais, il y en a même d'éminents ici. Mais euh, euh, comment. Euh, moi, j'ai écrit mes romans tout seul et, et cette solitude-là, elle, elle pèse quand même. Alors qu'écrire un scénario, c'est jouer au ping-pong, quoi. C'est quand même assez agréable. Ouais. Mais Nicolas, cette expérience de, de l'écriture, de la transposition, d'envisager de, une histoire qu'on a déjà. Écrite sous la forme romanesque, est-ce que cette expérience de transposition cinématographique avec une idée de représentation, est-ce que ça a eu un impact ensuite sur, par exemple, la manière d'écrire Connemara ou peut-être au non. moment de leurs enfants après Non, eux non, ce qui a, qu a eu un effet. <laughs> sur ma manière d'écrire, euh, enfin voilà ma cinéphilie, euh, euh, comment, euh, mes études de cinéma, euh, les livres que j'ai lus sur la manière de construire des histoires et qui sont très empreintes de, de dramaturgie cinématographique, ça oui, c'est-à-dire que je parle, j je, je fais souvent des, des c'est assez visuel, il euh, y a des situations, y a, voilà, mais ça c'était très antérieur, c'est ce avoir regardé deux fois les 81 épisodes des Sopranos, je pense que ça a pesé lourd dans ma manière d'écrire des romans. Euh, ah oui, les Sopranos, forcément, encore une fois, ils oui, me de, de narration, imaginez oui. 81 fois une heure, fois deux, le, la place que ça prend dans une vie Moi, j'en rêvais la nuit de Tony Soprano. Hein. Personnage important. Et on sait que vos personnages euh, enfin bref, ont une importance considérable. Mais, et mais on oui, mais parce qu'on parlait de non. Sherlock Holmes et, ou de Tony Soprano, c'est la même chose. C'est des grands personnages de l'ambiguïté morale. Et mes personnages, ils sont construits comme ça, je crois. Ils ne sont ni, ja, ni bons ni mauvais. Je, ça ne peut jamais être ça. Ils sont comme nous. Ils sont un peu sympas et un peu dégueulasses. Un bon raccourci bon de l'humanité. Euh, Nicolas, euh, quand on a découvert leurs enfants après eux, ça a été immédiatement un enthousiasme. Euh, C'est une odyssée éditoriale assez, assez incroyable. Mais. Euh, on a vu le Grand Est différemment, alors qu'on l'a devant les yeux d'une certaine manière. C'est un hommage à une région. Et puis bon, on va, on va l'évoquer aussi dans, dans, dans Connemara. Pour vous, est-ce que la littérature, un peu comme le cinéma, et j'allais dire euh, de manière euh, euh, explicite, et c'est enfin, inhérent à son existence, c'est une affaire de lieu avant tout Non. Et d'espace Non, pas la littérature. Ce que je fais, moi, oui, mais pas la littérature. Vraiment, moi, je n'assigne pas de, de, de fonction universelle à la littérature. Euh, moi, j'ai des, euh, des, des prédicats esthétiques, des manières de faire, euh, des postulats, mais euh, je n'attends pas des autres auteurs qui les les mêmes. Je, 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 je me délecte de livres qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Donc je ne dis pas la littérature doit, elle peut. Et, et moi, dans, dans, dans la littérature que j'essaye de faire, effectivement, le Cadre géographique, ce que la terre fait au corps, ce que les climats, que quand je dis un climat, c'est pas seulement le temps qui fait, c'est un certain. les odeurs, les paysages, les bruits. Les bruits, tout, tout cet ensemble de données sensorielles euh, qui, qui font un environnement, mais, mais aussi qui, qui, qui gravent comme un, des sillons en nous, oui, ça, ça compte très, très fort. Ouais. C'était très fort, notamment dans les, dans les premières pages de Leurs enfants après eux, parce que cette période très particulière, dans, dans les années 90, justement, ces est tests qui vous et eh ben on était dedans. C'est pour ça qu'on qu y croit. Vous voyez à quel point le réel, c'est aussi une affaire de construction littéraire et de retranscription, euh, retranscription ou création de sensations. Oui, alors absolument. Alors, le réel, ça n'existe pas. Il faut ah, partir de là. Phrase du jour. Ouais, le non, réel, ça n'existe pas. Mais non, du... parce que, en tout cas, pas d'une manière absolue. Il faut toujours le, le construire le réel que construit un sociologue n'est pas le même réel que celui de construit un, un, un journaliste il y a des faits scientifiques et des, 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 un autre type de faits dans le journalisme et c'est encore pas le même réel que construit un romancier euh, et chacun à notre manière avec le corps qui nous est donné et euh, le métabolisme dont nous, nous disposons avec ce que notre expérience a fait avec, à notre cerveau et les sens qui nous sont donnés on construit un réel qui est différent et moi le type de réel que je construis il est puissamment corporel voilà. Je pense qu'on est d'abord des corps et c'est ça qui m'intéresse voilà. de rendre ce que peuvent nos corps et de rendre ce qu'ils sentent et euh, ce que sent le mien en tout cas et puis de le rendre partageable voilà. c'est de fixer des petites choses comme ça mais m'aider aux animaux la guerre il y avait ça il y avait des... qu'est ce que c'était pour euh, Rita elle sort de sa maison le matin, et elle sent le froid de février qui lui pique les muqueuses des narines, on, on, on connaît tous ces sensations-là. Voilà, Comment on le rend, on le fixe dans un roman, et que quelqu'un ailleurs, peut-être des années plus tard, va le lire, et ça, ça produit des réminiscences qui sont du même ordre Nicolas, lorsque les, Leurs Enfants, après eux, est sorti, on l'a présenté comme un livre très générationnel, voilà, euh, très ancré dans une réalité d'une époque, d'un moment, qui, enfin, qui pouvait s'adresser particulièrement à une génération, et pourtant... Au fur et à mesure, et la preuve en, preuve en est avec le, le Goncourt, vous avez été capable de toucher beaucoup plus, largement, beaucoup plus largement et vraiment de manière très intime vos lecteurs et des lecteurs extrêmement variés. Comment expliquez-vous justement ce, ce, ce qui pourrait être paradoxal Alors, déjà, moi, je n'étais pas du tout parti pour faire un roman générationnel. Moi, je voulais faire Il un, a été taxé, un, un, voilà. bien, justement, bien sûr. De, de... Mais bien sûr. Euh, juste, je voulais juste faire un, un roman d'apprentissage et puis pour me simplifier la tâche, je, je l'ai calé sur mon adolescence à moi. Parce que l'adolescence d'aujourd'hui, elle est très différente avec les, le digital, etc. Enfin, C'est 400 pages d'histoire d'amour entre des ados, il n'y a pas un texto. Donc, ce n'est pas le même monde du tout. Et ce faisant, en restituant cette adolescence-là, en fait, j'ai restitué, restitué celle de tous les gens qui avaient eu 14 ans en 92, en fait. Mais, mais ce n'était pas volontaire, ça. Quant au fait que ça touche beaucoup plus de gens au-delà, ben voilà, peut-être qu'il y, qu y, qu y a des invariants, il y a peut-être des manières d'être au monde qui sont partagées au-delà des générations. Et puis il y a l'effet du prix Goncourt, c'est-à-dire que euh, j'aurais jamais atteint cette audience tout seul. Il y a une puissance de propagation de ce truc-là qui est, qui est proprement hallucinante et qui, est, qui aussi provoque des malentendus. Parce qu'on touche tellement de lecteurs qu'on touche aussi des lecteurs qui n'auraient jamais dû arriver jusqu'à ce livre. Et notamment cette lectrice à Épinal, qui a rapporté le livre à la librairie en, en exigeant qu'il lui soit remboursé, parce qu'il y avait trop le mot queue dedans. <laughs> S'il n'y avait pas eu le Goncourt, elle n'aurait jamais lu ce livre. Euh, il voilà, euh, y, y a des gens qui lisent pas le, le, mon roman, ils lisent le Goncourt. Voilà. Euh, euh, C'est une, une chance, et puis ouais, ça provoque aussi euh, des calamités euh, relatives. Par exemple, est-ce qu'il y a une récupération politique du, du roman De, bah, ma, de euh, ouais. manière très variée, d'ailleurs, et d'horizons oui, oui, euh, oui. très variés. Oui, oui, il y a une petite tentative macronienne assez mignonne après, Pour citer euh, la plus explicite euh, en tout oui, cas. Voilà. Oui, oui, bah, c'était juste après les gilets jaunes et d'un coup tout le monde se passionnait pour ce roman. Je pense qu'ils étaient assez flippés de ne pas sentir, pas de comprendre, pas saisir. Je ne parle pas de Macron en, en tant que tel. C'était plein de gens autour, dans les cabinets, dans les, parmi les élus, etc. qui se disaient ben, peut-être que ça c'est une clé de compréhension du, 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 du comment dire, de la poudrière sur laquelle on est assis quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben ouais, en fait c'est ces vies là. La colère elle circule comme ça, etc. Donc peut-être peut que récupération c'est un peu fort, c'est que en tout cas j'ai pas eu l'impression que J'ai pas eu tellement l'impression qu'ils qu essayaient de, 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 de s'approprier le succès du livre pour en tirer de la légitimité supplémentaire. C'était plus un usage particulier de ce livre. Il y a des usages des livres. Il y a des gens qui me parlent de ce livre uniquement en fonction de leur génération. Ils ont un usage générationnel. Il y en a qui me parlent de nostalgie. Il y en a qui me parlent de politique. Il y en a qui... Chacun est, est sensible à des aspects différents. Bon, bah pour. Euh, pour les macroniens, c'était putain la France périphérique, c'est ça. Il faut qu'on se renseigne vite. Vous avez utilisé le mot clé politique. Est-ce que dans votre démarche d'écrivain... allez, je pose la question de manière un peu un peu lourde, explicite, justement. Est-ce que vous avez une démarche politique en écrivant Est-ce que vous avez une volonté ou des velléités politiques d'une certaine manière à travers l'écriture Oui, mais pas engagé. Voilà, ce serait ça le distinguo. C'est-à-dire que moi, je suis un auteur politique au sens où est euh, politique. Euh, la description d'une de, conversation entre deux personnes. Dès qu'il y a plus d'une personne, on est déjà dans du politique. On est comment ça s'articule de l'individu avec du plusieurs. La politique, c'est ça. La cité, comment on fait pour vivre ensemble. Alors que ce n'est pas possible, mais que c'est obligatoire. <laughs> Donc. L'amour, c'est politique. Euh, euh, les objets qu'on achète, c'est politique. Tout ça, c'est politique. Donc oui, oui. Euh, les gens choisir de parler de ces gens-là plutôt que d'autres, effectivement, c'est un regard qui est politique tout de suite. Mais c'est pas engagé au sens où j'ai pas un horizon. Euh, je fais pas des livres pour qu'advienne un monde meilleur, par exemple. C'est pas mon job, ça. Je ne je produis pas des rôles modèles euh, pour, euh, pour fa favoriser le progrès dans la société. Alors, après, que la littérature c'est bien fait, elle, est, elle, elle soit toujours porteuse d'une puissance d'émancipation, oui, mais ça ne fait pas de moi un auteur engagé. Et puis, quand, euh, si Renault est un constructeur engagé, peut-être que moi, je n'ai pas envie d'être un auteur engagé. D'une certaine mmh. manière. Quand vous avez évoqué Renault, moi, je pensais plutôt spontanément aux chanteurs engagés, mais ils ont ça, n'arrive oui, pas. Vous voyez, le, quand un, un mot est phagocité à ce point-là, c'est drôle, j'entendais récemment à la radio euh, Monique Cantos-Perbert qui parlait du, 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 euh, du mot éthique. À un moment dans les années 2000, tout était éthique. C'était l'attribut la, la euh, comme on passe partout. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est engagé. Tout est engagé. La, la Société des réalisateurs français m'a envoyé ses voeux cette année, la SRF, pour une année créative et engagée. À pas, c'est là qu'on voit que ces mots-là, d'un coup, se mettent à tourner à vide et sont vides de sens. Voilà. Ah, justement, ça aussi, on va l'évoquer dans, dans votre roman, notamment dans votre emploi des, des anglicismes euh, qu'on retrouve beaucoup dans, euh, dans, dans Connemara. On pourrait croire aussi que euh, leurs enfants imprévus, ça, ça pourrait être le cas avec Connemara ou, ou avant avec euh, « Aux animaux la guerre », pourraient être très franco-français. Mais ce qui est troublant, c'est aussi l'accueil à l'étranger de leurs enfants après eux. Euh, voilà, puisque ce, la description que vous avez faite, dont je répète, de cette époque, de, de ce lieu, et de la vie de ces protagonistes, et ce côté très, très social français, eh ben, ça dépasse largement les frontières, et vous en avez eu la preuve en, en présentant l'ouvrage. Oui, après, ça va pas cartonné partout, loin de là. Hein. Euh... C'est le cas pour tous les auteurs, je vous rassure. <laughs> voilà. Euh, mais un peu partout... En Angleterre, en Allemagne, en Allemagne de l'Est, notamment en Italie, en Espagne, aux États-Unis, il y a toujours eu des gens qui, qui m'ont dit Cette vallée, moi, j'en viens. C'est-à-dire que partout, il y a des trous pourris, désindustrialisés, où on s'ennuie et en même temps, on mène les plus belles années, enfin, une des adolescences fiévreuses, quoi. Ça, ça c'est des choses qui sont partagées peut-être dans le Wyoming, dans la banlieue de Lubeck en Allemagne et en Lorraine. Ça, ça oui, il y a des, des, ça marche un peu partout, oui. Euh, vous avez évoqué le, le Wyoming. Euh, on peut aussi penser une certaine littérature, littérature américaine sociale en, en vous lisant. Est-ce que vous vous sentez proche de l'auteur John Fonte et d'autres, enfin, euh, Brotigan et tout, enfin, toute cette grande littérature alors, américaine Alors, oui, mais ce le, serait peut-être Steinbeck, les romans noirs, euh, la littérature du Sud aussi, beaucoup, beaucoup. Alors, euh, Faulkner, mais, mais aussi le, le roman noir du Sud, Harry Cruz, des, des tas de gens, quoi, Larry Brown etc. Je pense que la chaleur qu'il y a dans leurs enfants après eux, elle venait de là aussi. Elle venait, elle était un peu, un petit peu du Mississippi en Moselle. Quoi. Mississippi en Moselle, jolie formule. Alors, venons-en maintenant à Connemara. Je crois que la meilleure façon de plonger dans, dans cet ouvrage, euh, c'est d'entendre les mots de l'auteur, lus par l'auteur. Si vous pouviez juste nous lire le tout début, allez, jusqu'à ce mot-là, ça pourrait suffire. Plongeons vous, donc, dans le Connemara. La colère venait dès le réveil. Il lui suffisait pour se mettre en rogne, de penser à ce qu'il attendait, toutes ses tâches à accomplir, tout ce temps qui lui ferait défaut. Hélène était pourtant une femme organisée. Elle dressait des listes, programmait ses semaines, portait dans sa tête et dans son corps même la durée d'une lessive, du bain de la petite, le temps qu'il fallait pour cuire des nouilles ou préparer la table du petit-déjeuner, amener les filles à l'école ou se laver les cheveux. Ses cheveux, justement, qu'elle avait failli couper vingt fois pour gagner les deux heures de soins hebdomadaires qu'il lui coûtait, qu'elle avait sauvé pourtant à vingt reprises. Fallait-il qu'on lui prenne si loin, même ça, ses longs cheveux, un trésor depuis l'enfance Hélène en était pleine de ce temps compté, de ces bouts de quotidien qui composaient le casse-tête de sa vie. Par moments, elle repensait à son adolescence, les flemmes autorisées d'à quinze ans, les indolences du dimanche et plus tard, les lendemains de cuite à glander. Cette période engloutie qui avait tellement duré et semblait rétrospectivement si brève. Sa mère l'enguirlandait alors parce qu'elle passait des heures à s'étirer dans son lit au lieu de profiter du soleil dehors. À présent, le réveil sonnait à 6 heures tous les jours de la semaine et le week-end, tel un automate, elle se réveillait à 6 heures quand même. Elle avait parfois le sentiment que quelque chose lui avait été volé, qu'elle ne s'appartenait plus tout à fait. Désormais, son sommeil obéissait à des exigences supérieures, son rythme était devenu familial, professionnel, sa cadence, en somme, poursuivait des fins collectives. Sa mère pouvait en être contente, Hélène voyait toute la course du soleil à présent, finalement utile, mère à son tour, embringuée pareille. Merci Nicolas. Quelques applaudissements au passage parce que c'est toujours un exercice Merci beaucoup. un peu particulier pour, pour, pour l'auteur. On est donc dans, dans l'ambiance et donc on découvre ce, ce personnage ce personnage Justement, euh, les personnages sont vraiment très importants et J'allais dire, toute la narration du livre fonctionne vraiment sur, sur deux personnages. Euh, Présentez-les-nous euh, brièvement. Justement, Hélène qui est ben, elle. Tout oui, à alors ça part d'Hélène. Hélène qui poursuit peut-être euh, le personnage de Vanessa dans le précédent roman. Euh, je pense que c'est là, c'est comme ça qu'elle est née. Un jour, on m'a dit Vanessa, pourquoi on la perd au milieu du roman J'avais une dette vis-à-vis -vis du lecteur. Euh, euh, donc c'est une jeune femme qui est née dans un bled, Cornécourt, une, une petite ville des, des Vosges. Elle existe ou pas euh, oui et non, c'est-à-dire qu'elle est fictive, mais elle ressemble à, à, à diverses villes et notamment à une. Voilà. Mais, mais je tiens vraiment au fait que les géographies soient à la fois ancrées et fictives. C'est très important parce que si, sinon, je me sens tenu de respecter euh, des, des, les, les, la géographie, les faits historiques, les machins. En, en, en faisant des petits dégalages en, en, ch en changeant un nom de rue, en changeant un nom de ville, hop, il se produit un dégagement et là, le romanesque s'engouffre. Donc C'est pas pour me protéger des emmerdes éventuelles quand je rentre chez moi et pas me faire rosser par les habitants du coin. C'est vraiment un, un postulat esthétique là encore. Et donc Hélène, elle a voulu se tirer de chez elle. Elle a réussi parce qu'elle était très forte à l'école. Elle a accompli le programme de, de, de la réussite tel qu'on le tel qu'on vous le vend dans la société en général. C'est-à-dire euh, des belles études, un bon job, un, une belle maison, une famille, etc. Quoi. Et Christophe, lui, c'était un peu le type sur lequel elle fantasmait quand elle était adolescente, le, le champion local de hockey, et qui lui a une vie euh, différente. Il est resté. Euh, et puis là, il a un, un fils, et il s'occupe de son père, ils sont tous les trois dans la même maison. Il n'est pas malheureux, il vit avec ses potes, et puis il, il, il renacle un peu à, à abandonner la, sa jeunesse. Voilà. Euh, quel a été le parcours professionnel d'Hélène, parce que c'est très important dans, dans le roman. Ouais. <laughs> Hélène, en fait, elle a fait une école de commerce et puis euh, elle, est, elle est rentrée dans des cabinets de consulting. Voilà. Donc, ah, elle déjà fait... un anglicisme. <laughs> voilà. Donc elle fait euh, voilà l'optimisation, euh, de l'audit, euh, elle, elle restructure, elle, 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 elle fait des, des Powerpoint et des tableaux Excel pour. Euh, euh, accroître la performance des entreprises et ou des, ou des services publics. Et donc, à un moment de sa vie, ça ne s'est pas forcément bien passé. Elle est peut-être un petit peu en désillusion, en quelque sorte. Voilà. Oui, voilà. Bah, je, elle, a, elle, a, elle a fait un burn-out, mais voilà. peut-être pas tellement par... Euh, ou pas seulement par surmenage, mais par, par le sentiment d'à quoi bon, quoi. Putain, est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais et, voilà, sa vie personnelle, ans, et justement, elle... par rapport à sa vie personnelle, sa oui. vie privée. Oui, mais un peu tout... Euh, je pense que ça peut nous arriver. C'est un jour où on se réveille et puis on se dit mais putain j'habite la vie d'un autre en fait. Tout ce que j'ai fait là, c'est moi je crois beaucoup à, à la pente dans l'existence. Il y a plein de choses qui nous arrivent et qu'on n'a pas décidé. On s'est juste laissé glisser. Et euh... j'entends mmh. dans la salle. <laughs> et euh, et euh, on nous vend de la liberté, du libre arbitre, de la et pourtant, elle, c'est une force qui va, elle a voulu des choses. Mais est-ce qu'elle a pas. On sent qu'elle est su... complètement ouais. volontaire et qu'elle ouais. Mais est-ce qu'elle n'a pas suivi une pente qui n'était pas exactement la sienne Est-ce que, est pas... est que ses désirs n'ont pas été tordus dans un certain sens voilà. Et donc, euh, à 40 ans, elle se dit waouh Déjà tout ça de passé, et peut-être que je vis la vie d'une autre. Ce qu'on a vraiment l'impression de, de ressentir avec Hélène, c'est vraiment par votre travail de, de, de la langue L'abus d'anglicisme, j'insiste beaucoup là-dessus. Encore une fois, très souvent des mots creux, sans définition, parce qu'un mot, c'est aussi un vecteur de, de sens, en quelque sorte, c'est une définition. Or, on a l'impression qu'il n'y en, en a aucune, et le vide de son existence, c'est le vide des mots qui sont toujours au cœur de, de son quotidien professionnel. Oui, enfin... Euh, on a cette sensation, euh, oui, 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 oui. oui euh, elle a un sentiment de vide, oui. On, pff, allez, si on, si on vraiment caricaturait le roman et qu'on lui faisait du mal, on dirait qu'elle est... Qu qu'elle est en recherche de sens, <laughs> parce qu'elle a un sentiment de vacuité par rapport à, à ce qu'elle fait, et que ce langage-là du consulting, mais au-delà de ça, de l'idéologie managériale, tel qu'il est pratiqué, c'est-à-dire ainsi qu'un qu langage expert est en fait comme un, un pouvoir qui s'exerce sur ceux à la fois qui le parlent et ceux qui le, qui le subissent, moi ça m'intéressait d'en faire une analyse presque politique et scientifique, quoi, de, donc, et puis aussi de m'en moquer. Parce que c'est un violent, c'est ce langage-là, il exerce une violence au quotidien chez des millions de gens. Chacun dans des dans des bureaux et on, on leur dit qu'il faut euh, faut benchmarker, il faut optimiser, il faut il y a des infos qui sont dans le pipe et puis il faut que ça impacte. Voilà, c'est pénible. Oui. <laughs> Alors la littérature, elle peut faire quelque chose comme ça, ne serait-ce qu'en rire. Justement, si elle, elle est d'une certaine manière dans un monde D'abstraction, loin des choses concrètes, loin du, du vivant et plus dans des, des, des schémas très généraux. Lui, Christophe, il est dans le, dans, dans le concret, lui pur et dur. Euh, J'exagère un peu, euh, je caricature. Ouais, ouais, euh, J'ai fait une euh, peinture euh, du consulting qui est, qui est critique, mais euh, je ne l'ai pas confondue avec euh, ce qu'on appelle les bullshit, les bullshit jobs. Elle, elle, elle aime faire son job quand même, et ça produit des effets. Effectivement, quand elle retaille un organigramme derrière, il y a des économies qui sont faites, et ça marche mieux. Quoi. Et c est, c est, donc c'est pas vide totalement. Ce voilà. euh, c'est pas si abstrait que ça. Elle ne vend pas que du vent. Vraiment. Et j'en ai rencontré des consultants. J'essaie d'avoir des démarches honnêtes par rapport aux objets que je traite. Et je, je, je suis pas le, je suis pas la littérature Uber quoi. C'est pas, c'est pas mon point de vue, quoi. Mais effectivement, Christophe, lui, il a une vie. Bah voilà, il, il est, il, finalement, il travaille dans la logistique, lui. C'est-à-dire qu'il vend de la, des croquettes pour chiens. Alors, c'est un VRP, et puis il fait, donc, il rencontre des éleveurs, des, des animaleries, et puis il tourne comme ça avec sa voiture, et c'est un commercial, voilà. Ouais il a aussi quelque chose d'important dans sa vie, une activité sportive. Ouais, il fait du hockey depuis, la, depuis son enfance et c'est le grand truc de sa vie. À 17 ans, il c'était un champion, il était adulé et puis euh, voilà, c'est ces vies un peu qui, on a, dont on a l'impression qu'elles atteignent leur point culminant très tôt. Et puis derrière, c'est un peu plat peut-être. Et euh, il, rêve, il rêve de réactiver ça. Comme elle, elle rêve de réactiver aussi un moment de son adolescence à elle. C'est-à-dire que c'était une jeune femme qui était transparente au lycée, qui rêvait de ce type. Et quand elle rentre, elle se rend compte qu'elle est devenue plus forte que lui. Elle a envie de rejouer ce, ce moment-là euh, avec ses nouveaux atouts. Ouais. Est-ce qu'en fin de compte, Connemara, ce n'est pas un, 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 vraiment un roman sur ce que les Anglo-Saxons aiment beaucoup, c'est-à-dire la seconde chance Oui, il oui, y a de ça, oui. Ouais. Euh, mais peut-être pas... Euh... Oui, si, si, on peut le, on peut le, on le lire comme ça, mais, mais c'est tellement idéologique dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire tout le monde a droit à une seconde chance. Là, ce n'est pas exactement ça, c'est-à-dire qu'ils rejouent quelque chose de leur jeunesse et qu'il leur sert de levier pour refaire leur vie actuelle. C'est un peu différent. Je me suis permis d'insister dans la présentation de, de Connemara. Sur euh, ces personnages, c'est vraiment le moteur d'une peinture générale du euh, du, du monde. Euh, Est-ce que vous les avez conçus d'une certaine manière Vous les avez créés, imaginés déjà en prenant en compte une potentielle incarnation cinématographique Est-ce que vous aviez déjà une idée d'un visage, d'un acteur d Non, corps pas du tout. Non, non. Euh, ça a pu m'arriver. Par exemple, je sais que pour Martel, dans Aux animaux la guerre, le, mo le modèle, et même si le, le personnage s'en est éloigné au fur et à mesure, mais c'était vraiment Nick Nolte, j'avais ça en tête, une espèce de grande silhouette déguingandée, un peu simiesque, avec des grands bras comme ça, qui, je, le, je le voyais comme ça, et ça m'avait aidé à fixer ce personnage. Non, non, là, ils sont, ils sont construits vraiment euh, euh, comme du vernis, c'est-à-dire couche à couche, petit à petit, vous savez, les... les, 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 les ces artisans japonais qui font du vernis, euh, du, du, de la laque, une couche après l'autre, comme ça. Et euh, ces personnages, c euh, à chaque fois qu'il y a une phrase qui est écrite sur lui, une, euh, sur un personnage, à chaque fois qu'il prend un embranchement dans le récit, à chaque fois qu'il a une interaction avec un autre personnage, il s'épaissit, il devient quelque chose. Et à la fin, il est, vous lui avez fait faire, fait faire tellement de choses que vous, vous ne le contrôlez plus tout à fait. Il y a des choses qu'il ne pourra plus faire, même si vous le souhaitez, parce que ce serait incongru, que ce serait. Euh, ce ne serait plus crédible. Voilà. C'est comme ça qu'ils se sont construits. Vos personnages, encore une fois, sont d'une grande richesse psychologique, euh, sociale. Enfin, vraiment, ils fonctionnent sur des détails. Qu'est-ce qui fait, en tant qu'écrivain, lorsqu'on est en train de, de composer ces personnages ou qu'on décrit une scène qui précise euh, justement l'identité de, de, de celui-ci, qu'est-ce qui fait que ce détail, il marche ou il ne marche pas Comment on juge de la capacité d'un détail pour être signifiant, pour apporter quelque chose par rapport à un personnage Honnêtement, je n'en sais rien. Et jusqu'au bout, j'ai l'impression, moi, que c'est assez mou, que c'est. C'est comme vous aviez un, si vous faites fait une mayonnaise et vous espérez que ça va prendre, mais, mais ça prend à la fin. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une grande angoisse dans la construction d'un roman comme ça. C'est que jusqu'au bout, on se dit, oh, putain, mais est-ce que ça va prendre Est-ce que le personnage va se mettre à exister pour lui-même Et euh, on fait le premier jet et ça ne marche encore pas. Et puis, on commence à réécrire. Et puis, il y a des choses, effectivement, qui, qui marchent, d'autres pas. On, on élague, on, on, on tend. On... C'est un, un travail de chien, en fait. Et jusqu'au bout, on a quand même assez la trouille, ouais. Est-ce que vous, quand vous êtes lancé dans, dans l'écriture de, de, de ce roman, vous aviez déjà une idée de la progression narrative, peut-être pas forcément de la femme, mais en tout cas du déroulement général de, de, de la narration de l'histoire ouais, Moi, je fais pas de plan, je ne sais pas produire des, des, une planification du récit très détaillée, mais... Euh si vous voulez, la, la grande scène finale, l'acmé, le climax, comme on dit au cinéma, ça, j'avais une idée précise. Ouais. Puisque ouais, j'avais trouvé le titre du roman et tout, d'un coup, tout ça, ça s'est un peu déplié grâce au titre. Ouais. Justement, ce, roman, ce titre de roman, Connemara, comment vous l'avez choisi D'où il vient euh... là, Je pense qu'au tout début, c'était vraiment euh, ces émotions de Christophe qui écoute de la musique populaire dans sa voiture. Euh, et puis qu'il y a des sensations très fortes, j'avais envie de parler de ça, de ces, de ces, de ces émotions de cathédrale qu'on éprouve parfois au volant, en écoutant de la musique qui n'a l'air de rien. Donc il y avait ça, et puis euh, au, au fur et à mesure, ces deux Frances qui s'affrontent, ces deux personnages qui, viennent de deux mondes, qui, qui, qui participent de deux mondes si différents, je me suis dit, Connemara, ça disait quelque chose de ça, c'était un signe, quoi. Parce que Connemara, c'est connu de tous, c'est quelque chose qui nous est commun, qui est partagé comme notre langue. Et en même temps, c'est le lieu d'une division euh, euh, fondamentale. C'est-à-dire que c'est à la fois une chanson qu'on écoute dans les balles populaires et puis à la fin des fêtes de HEC. Donc ce n'est pas du tout la même manière d'écouter cette chanson-là. Et ce n'est pas du tout les mêmes mondes qui l'écoutent. Donc ça témoignait de ça, cette chanson. Et puis quand même, je me souviens euh, de m'être dit, euh, après le Goncourt, ce serait quand même chouette de mettre Sardou sur une couverture de roman. Quoi. Et, et la première personne à qui j'en ai parlé, elle m'a dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Ah, ben bah alors on va le faire <laughs> C'était une manière de dire voilà, vous trouvez ça dégoûtant, euh, euh, populaire, peut-être même un peu réac, mais c'est quand même de ça dont je vais vous parler. Je ne vous laisse pas le choix. Voilà. Moi, je voyais aussi à travers ça, mais d'une certaine manière, vous avez répondu en creux, l'unité de France à travers un mot, un nom. Et euh, allez, je vais prendre une petite référence ultérieure il faut toujours savoir faire un peu du chose, de choses ou n'importe quoi. Enfin, voilà, moi j'imaginais aussi à travers Connemara la réunion entre un notre imaginaire anglo-saxon, puisque évidemment on connaît ça, fait, et une littérature française peut, voilà, encore une fois, tout réunir en un, en un seul titre. Pff, ça vaut ce que ça vaut hein. Écoutez, je jamais pensé, mais je m'en servirai à l'avenir. Si au moins je peux vous servir à ça, c'est toujours ça. Bref. Ouais, et puis il y avait quand même un, un, un autre truc, c'est que c'est une chanson qui a une forte dramaturgie, c'est-à-dire qu'elle a un crescendo et qui aboutit à un climax. Voilà. Et je voulais que ce roman ce soit pareil, quoi, que ça pousse, que ça aille vers l'avant, et qu'à la fin on ait une grande scène comme ça. Vous savez, où... Il ne faut pas, où pas trop en dire, Nicolas. Ouais, en fait. voilà, mais on, on se Sort comme la tête de l'eau oh voilà j'avais envie de mais, mais justement une scène Très cinématographique. Euh, enfin, voilà, Nous-mêmes, encore une fois, si on a ce réflexe de lecteur, voilà, on essaye de, de la dit, euh, Au 19e siècle, le, le, le roman français naturaliste, il a des grandes scènes comme ça. Euh, des balles, euh, des batailles. Euh, des, euh, euh, chez Tolstoy ou Flaubert, on trouve ça. Des, des, je ne me, me mets pas à ce niveau-là du tout. Hein. Mais euh, ce n'est pas le cinéma qui a inventé la grande scène. Mais est-ce que vous l'aviez visualisé, presque par euh, déformation professionnelle et par réflexe de, de scénariste ou quelqu'un qui a eu l'expérience? Du, du scénario. Vous voulez dire, est-ce que dès le départ, je savais que... Non, qu lorsque vous avez euh, conçu cette... Euh, ah bah bien sûr, oui, mais vous non vous seulement... Je l'ai visualisée. Je l'ai visualisé, mais dans le détail, je l'ai vue. Elle, elle est construite aussi euh, avec des choses que j'ai vues dans ma vraie vie. Et puis, euh, j'ai écouté la musique en l'écrivant. <laughs> Ce morceau de Sheila, je l'ai écouté des, des dizaines de fois. Parce qu'il y a un morceau de Sheila aussi pendant le, le mariage. Parce qu'il y a un moment... Enfin, euh, vraiment, c'est un truc que j'essaye de faire dans mes, dans mes romans. moi, c'est pas seulement de décrire, c'est d'écrire les... de, de décrire, c'est-à-dire de... De raconter comment c'est fait, c'est de rendre par le mouvement de la phrase les sensations qu'on éprouve en le vivant. Et c'est le plus dur, c'est-à-dire de, de, de rendre ces sensations partageables. Alors, euh, oui, ça, ça demande un gros effort et euh, il faut les éprouver, ces sensations. Donc, on se fouette en écoutant des musiques, en, en revoyant des images, on, on essaye d'être dans, dans le mood de, de, de ce qu'on fait. Euh, bon, vous, vous avez évoqué votre. Vous nous avez dit que le réel n'existait pas, mais est-ce que l'effet de réel, lui, il existe <laughs> Je rigole parce qu'il y a un copain qui se fout tout le temps de ma gueule avec ça. Il y a le Nespu, euh, un auteur qui, qui, qui rigole toujours de ce de, de ce cliché-là de l'effet cliché de, de réel. Mais oui, ça existe. Alors, il y a des, on peut produire des effets de réel euh, justement par la description, euh, aussi par le recours à, aux objets, aux marques, aux, aux petits faits vrais, des, des petites choses, des petits détails. Par exemple, dire qu'un personnage il fume et puis il enlève de deux doigts un brin de tabac sur sa langue. Voilà, ça, c'est un effet de réel. Ça ne sert à rien dans l'histoire. Mais ça donne de la densité à ce que vous racontez. Et tout de suite, ça, ça, ça fait exister le corps du, de, de la personne dont vous parlez. Voilà. Donc euh, oui, il, il faut faire ça. Ouais. Jusqu'à quel point vous euh, vous servez, justement pour cet effet de réel, euh, de choses que vous avez ressenties, que vous avez vécues, des petits détails que, que, que vous avez vus à, dans, à, 100%, à 100% quand j'écris j'essaye de me dire euh, euh, de, de recourir à des choses que j'ai vu, senti euh, de, de, de partir de la vie voilà. je, dis que, je disais tout à l'heure qu'on faisait feu de tout bois et qu'on convoque le cinéma, la littérature etc mais euh, quand même principalement moi j'essaye de, de, de partir de, 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 de la vie quoi de, de ce qui se passe vraiment et, euh, et notamment en parlant de ce qui est même est sans noblesse et qu'en général on ne traite pas dans la littérature quoi. Alors euh, bah on, a, on a discuté tranquillement avec, euh, avec Nicolas et, et le temps avance. Euh, vous êtes très nombreux, donc il nous reste, euh, disons, un, ouais, un quart d'heure, un gros quart d'heure, euh, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, hop, oh, je vois tout de suite devant. Merci, Madame. On vous apporte le, le micro. Euh, voilà, on sait que c'est toujours difficile pour la première et le premier. Quelqu'un se dévoue, c'est parfait. Voilà. Nous vous écoutons, Madame. Bonjour, merci. merci à vous. Bonjour. Euh, vous vous êtes frotté au cinéma. Comment ça s'est passé avec l'adaptation la, théâtrale Alors, ça, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Oui, oui. Et il y en, il y en, alors, je crois qu'il y en a eu trois, mais moi, j'en ai vu que deux, et ça s'est très bien passé. <laughs> C'est-à-dire, que j'étais euh, ravi, euh, euh, vraiment ravi. C est, c est, les deux étaient géniales et très différentes. <laughs> A ceci près que la, la première qui s'est jouée à, à Bussan dans les Vosges au Théâtre du Peuple, donc qui est un théâtre assez particulier qui s'ouvre sur la montagne, c'est quelque chose d'assez prodigieux de, de, de voir ça, euh, c'était très anglais sur, sur l'adolescence de leurs enfants, tout, tout le thème de l'adolescence de leurs enfants après eux et l'éveil des sens. Et donc, il euh, y avait quand même beaucoup de scènes de cul, <laughs> j'avais pas l'impression d'en avoir écrit autant, et euh, quand ma mère y est allée, ça m'a un peu... Euh, <laughs> <laughs> On m'a raconté que pendant la... Oh, quand même <laughs> pendant la, la, la... Voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait un effet de retour. Je me disais... Je, je transpirais un peu en, en entendant ce que j'avais écrit devant tant de monde. quoi. Alors, d'autres questions Monsieur. Merci. Merci pour votre intervention. Et je me demandais... Euh... Quel est votre rapport à la, à la sociologie Puisque bon, vous faites de la littérature, mais c'est vrai que vos romans euh, portent un, savoir, un regard sur la réalité sociale très fort, très puissant. Vous êtes sociologue Exactement. Oui, alors il y en a toujours un. <laughs> Et il me pose toujours cette question. Bah, en général, il y a aussi un Lorrain. Où est-il Qu'il se dénonce <laughs> Il y en a plusieurs, voilà. Alors je fais ce rôle avec plaisir, mais c'est vrai que c'est frappant et, donc, et, et, et je trouve d'ailleurs que c'est bien plus puissant que beaucoup de sociologie euh, ce que vous faites. Mais quel, comment ça s'articule dans votre projet littéraire quoi et ben en, en fait j'en ai pas lu tant que ça, mais moi ça a changé ma vision euh, du monde d'en avoir lu, vous voyez. Mais euh, c'est-à-dire que ça a eu un effet de démystification des réalités sociales euh, puissant comme euh, comme Proust sur le temps ou Flaubert aussi sur le monde social d'ailleurs, ça marche de la même manière. Et euh, je convoque pas des outils de la sociologie parce que je les maîtrise pas. Je cherche pas des faits scientifiques parce que c'est pas mon boulot. Mais le poids du peu de sciences sociales que j'ai lu a incurvé mon regard d'une certaine manière et me fait prendre le comme une comme une lunette, un, un verre de lunette si vous voulez, euh, corrige votre regard. Les sciences sociales ont modifié ma manière euh, sans doute de quand on écrit un roman et qu'on parle du réel, on, on, on organise une myriade de signes qui tous ont des significations. Et bien La manière dont mes signes à moi sont organisés, je pense qu'elle s'est influencée par, par ça et euh, la manière dont mon regard a été modifié. Voilà. Mais euh, je ne lis pas de, de sociologie pour écrire, je ne pars pas de, de type sociologique pour créer des, des personnages. Euh, je pars pas de faits de société euh, pour créer des, des, des situations c'est pas comme ça que ça marche voilà pour rebondir d'ailleurs, l'un de vos plus grands fans revendiqués, c'est Jérôme Fourquet, l'auteur notamment de, de l'Archipel français. Euh, euh, alors fan, je sais pas, mais oui, oui, il y a des acquaintances, il euh, y a des, des rapports en, euh, entre nos travaux, nos, nos travaux, pardon. Et euh, lui, il aime puiser aussi, je pense, dans la, dans la littérature. Et il pense, mais dans la règle de, les règles de l'art, euh, c'est ce que dit euh, Bourdieu aussi, fin, euh, que Flaubert a une, une qualité de regard. Euh, que bien des sociologues n'ont pas quoi sur leur, leurs objets de, de et pourtant ils n'étaient pas sociologues du tout c'était même une discipline qui n'était pas inventée en tant que telle à, à ce moment-là quoi donc la littérature peut ça elle a des, une vocation euh, en partie analogue à celle des sciences sociales de démystification je crois Monsieur euh, est-ce que euh, enfin, vous venez juste de parler de votre rapport à la sociologie euh Maintenant, mais est-ce que euh, ça vous intéresse d'explorer de, un rapport, par exemple, à la spiritualité dans votre écriture Ou est-ce que. Oh, pas tellement, non. Euh... <laughs> non, il n'y a, a, a pas beaucoup de. Euh... En même temps, dire ça, c'est le dire vite. C'est-à-dire que quand vous me dites ça, moi, je pense à Christian Bobin et, et ce n'est euh, pas du tout ce que je fais et ce n'est pas ce que j'ai envie de faire du tout. Quoi. Et pas, je ne fais pas une littérature inspirée et qui serait aspirer vers un en dehors du monde ou, ou vers une transcendance. Et, et en même temps, je me dis que dans, dans ce roman-là, euh, à certains moments, euh, on sort quand même du social et du politique pour autre chose. Il y a notamment ce moment où euh, Christophe, je ne vais pas détailler pourquoi, mais euh, il, il dit mon Dieu par pitié. Et à ce moment-là, dans son désir d'être sauvé et, et de ce qu'il cherche à faire, oui, il y a, il y a quand même... On sort du, du strict plan de l'immanence, on va dire. Il y a un peu autre chose. Mais, euh, mais ça ne fait pas partie de ma, de ma quête. Hein. D'autres questions Oui. Nous vous apportons le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, c'est pas tellement euh, une question, c'est euh, des, des impressions. Euh, bon, j'aime beaucoup vos livres parce que je retrouve. Euh, ben, Enfin, comment dire, Maupassant, l'effet de l'effet de le faire vrai, l'effet de réel dont vous avez parlé tout à l'heure. Et quand vous avez commencé à en parler, pour moi tout de suite, il y avait cette image, enfin, dans, dans les nouvelles de Maupassant, du, du paysan qui ramasse le petit bout de ficelle qu'il fourre dans sa poche en se disant que ça va servir parce qu'un sou est un sou. Donc euh, voilà. Et puis, euh, enfin, comme si vous étiez un petit peu à la croisée de, de plusieurs auteurs. Euh, euh, je pense à Welbeck aussi, quand il, se, il ironise quand même sur cette euh, langue managériale. Bon, là, il y a ce, cet aspect aussi. Euh, enfin, puis voilà, puis le côté... Euh, euh, comment dire Ce n'est pas des thrillers, ce que vous écrivez, mais euh, je pense à Bernard Minier, euh, qui, qui, fait des, enfin, qui écrit des policiers, mais avec une langue tellement ciselée, avec un, un choix de... Enfin, vraiment, euh, une, une façon d'écrire... Euh, extraordinaire. Quoi. Donc euh, c'est donc pour ça que moi, je trouve, enfin tout à l'heure quand vous avez parlé de, euh, du Goncourt, de ce que ça avait produit comme euh, tsunami euh, au niveau des, des ventes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de lecteurs qui se retrouvent dans ces, ces regards croisés et cet agrégat de, euh, voilà, qui fait que <laughs> vos, vos livres sont vraiment un peu dans l'air du temps, mais en même temps, euh, le 19e siècle, le réalisme, Flaubert, Maupassant... Euh, le naturalisme aussi, enfin voilà. <laughs> C'est une Merci. impression. <laughs> Mais vous vous, vous vous appuyez justement sur un point qui est intéressant et euh, qu'on aurait pu évoquer euh, tout à l'heure, Nicolas. Jusque... Allez, même si spontanément, euh, connemara semble loin du polar, du thriller, du, du roman d'art, néanmoins, il y a des éléments techniques qui viennent de là que vous utilisez ou que vous détournez ici. Oui, oui. Et, euh, et euh, en tout cas, j'ai à cœur que le lecteur prenne du plaisir et soit emporté par une histoire. Moi, je ne fais pas partie des modernes. Je, je, moderne au sens euh, littérature des années 50, qui s'interroge sur ce que fait le roman et qui dit, eh ben Balzac, on en a trop fait, on arrête, et on s'interroge sur ce que peut le roman, euh, qui a une vision méta. Euh, non, moi, je crois à la fiction, j'essaye d'embarquer le lecteur, je veux que ça lui produise du plaisir, c'est un train, on fait un voyage. Euh, J'ai le fantasme aussi du cinéma des années 50, grand cinéma hollywoodien. Qui était à la fois le, un divertissement populaire qui faisait 2 milliards d'entrées par semaine, enfin dans le monde entier, et puis, enfin, ou un milliard, et, euh, et qui en même temps déliv délivrait des leçons de vie et avait atteint une sophistication esthétique euh, qui fait que ben, Minelli et Rubens, peut-être que ce n'est pas si loin en qualité. Voilà. Donc euh, moi, je fais la partie de, 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 de cette école-là. C'est-à-dire que le, le divertissement, je ne trouve pas ça sale, en fait. D'autres interventions, remarques — Oui, au premier rang. Bonjour, — euh, Bonjour. Je suis sociologue. Donc... — <laughs> ah, dessiné... ah non. Mais je, rien ah, le quota vous... est explosé aujourd'hui. — J'ai rien à dire sur la sociologie. Donc ça bien. Non, en fait, je me posais une question par rapport euh, à ce que vous avez euh, dit sur l'importance des sensations. Et, euh, il se trouve que pour d'autres raisons, j'ai aussi travaillé sur des auteurs qui parlent beaucoup aussi de leurs sensations. Des auteurs de bande dessinée, des dessinateurs, pardon. Euh, donc des auteurs de bande dessinées, des gens qui, vous voyez, où les sensations sont fortes. Et je me demandais s'il y avait une relation entre votre sensibilité à ces sensations, cette envie de les retranscrire, et les sensations bah, que l'auteur lui-même pouvait éprouver en écrivant à travers son vécu, est-ce que ça pouvait jouer ou pas Ah bah bien sûr, enfin toutes celles, toutes les, les sensations que je convoque dans le, dans le roman, que c'est des, des choses... Moi aussi, au départ, je ne suis qu'un corps. Et que la, la manière dont je nourris les sensations des personnages, euh, que je les restitue, elle part de mon expérience. Et même pire que ça. C'est-à-dire que je pense que le roman, c'est peut-être... L'un des. La littérature, mais la peinture, on pourrait faire le, 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 la même analyse exactement. C'est peut-être euh, des endroits où on peut faire en sorte que ces sensations si fugaces et qui sont éprouvées par un corps qui lui-même est passager se résistent au temps qui passe. Euh, J'avais été très frappé par l'abécédaire de Gilles Deleuze, où il, dit, il explique ce que c'est qu'un percept. C'est une perception, que, que, enfin, les artistes produisent des percepts, c'est-à-dire. Des perceptions qui survivent à celui qui les éprouve. Et donc, euh, un certain nombre de choses que moi, j'ai éprouvées et qui, qui sont passées, et puis sachant que je vais mourir, donc que ce corps qui les a éprouvées finira, comment on arrive à les fixer de sorte qu'elles qu nous survivent et qu'elles soient en plus partageables Alors, oui, oui, ça, ça vient de. de C'est mon, co mon corps qui est premier là-dedans, oui. Bonsoir. Vous Bonsoir. avez fait une super, euh, une super métaphore tout à l'heure sur le, le travail de la lac par les artistes japonais. Euh, et je voulais savoir si, euh, lors de, de l'écriture de vos romans, euh, vous travaillez de la même façon. Est-ce que vous travaillez de manière linéaire ou vous n'arrêtez pas de retourner en arrière pour, euh, pour euh, stabiliser le texte, etc. Eh ben, euh, un, oui, alors il y a, une, y a une, un premier jet, euh, c'est-à-dire que. Le, le premier jet où, 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 où je fais mille mots par jour, j'arrache des mots au vide, je construis mon histoire, je pousse mon rocher, euh, tel Sisyphe. Là, c'est linéaire, j'avance et je vais jusqu'au bout. Quoi. Et après, je ne cesse pas de, de repasser euh, pour, que, pour consolider, pour couper ce roman. Je pense que j'en ai, ai coupé près de 20%, je pense, par rapport à ce que j'avais écrit au départ. Et puis après, il y a encore un, un autre travail, c'est-à-dire c'est du paragraphe par paragraphe. Mon unité de base, je crois que c'est le paragraphe. Et alors je soigne ça pour que ce soit le plus dense, euh, euh, solide, euh, significatif. Et, et, et je pense que vous pourrez trouver dans, dans ce roman, il y, a, il y a des fois des paragraphes qui... Vous avez l'impression que c'est déjà presque un monde en soi. Quoi. Euh, donc oui, oui, je, je n'arrête pas de, de faire comme ça, jusqu'au moment où je sens que je vais devenir fou et j'arrête. Voilà. Bonsoir. Alors, Bonsoir. du coup, ma, ma question rejoint un peu les, les, les deux dernières, et notamment sur ce que vous venez de dire sur l'idée que euh, vos, vos, vos parères sont extrêmement denses et fonctionnent, prennent comme des unités closes. Et, et moi, je suis très intéressée par votre pr pratique de l'écriture sur Instagram, notamment, et, et les textes que vous publiez. Et ma question, c'est comment on fait coexister ces, ces, ces unités de, de textes qui ont des ampleurs, et qui, qui peuvent pr presque être closes sur elles-mêmes, et comment on les ouvre et on fait des romans Parce que vos romans sont longs, ils ils, c'est des fresques. Et comment on passe de l'un à l'autre Comment les deux pratiques d'écriture coexistent Alors, honnêtement, comme je ne saurais pas vous dire comment ça coexiste. Euh, ça sort, les, les, les posts sur Instagram, ça sort de moi tout seul. Quoi. Alors, je ne dis pas que je ne fais pas un effort d'écriture dedans. C'est quand même écrit, quoi. Mais c'est des choses qui m'affectent, des choses que je ressens, j'ai besoin de les partager. Hein, de manière un peu narcissique aussi. Hein. Ça continue à être la purge narcissique par d'autres moyens. Euh, mais euh, ce, que, ce que je pourrais dire, quand même, c'est qu'à force, je me suis rendu compte que ces postes, ça servait un peu de laboratoire au roman. C'est-à-dire que si l'unité de base est devenue le paragraphe, c'est sans doute là que ça s'est inventé et qu'il y a des choses qui sont dans les postes et qui ont été reprises dans le roman différemment. C'est-à-dire qu'il y a des, des motifs, des thèmes, des, des, certains sujets que, qui ont été rejoués dans, dans, dans le roman. Donc ça sert un peu de, de laboratoire. Je ne le conceptualise pas plus que ça, je ne me pose pas de questions. Euh, on, maintenant, on m'en parle tous les jours, enfin dans toutes les rencontres que je fais. Euh, donc ça, ça prend presque une importance malgré moi. Euh, mais il y a oui il y, y a un truc qui s'est qui s'est produit là dans, dans même ça, ça a ça a infléchi ma manière d'écrire je pense oui quand même mmh, dernière question mmh, non moi j'en ai une dernière quand même, Nicolas. Il se trouve, et ça va être une transition parce que justement vous allez dédicacer votre ouvrage dans, dans quelques instants, là les chiffres sont, sont tombés en, en quelque sorte, et il se trouve que s'il faut évidemment relativiser ce que sont les, les classements des meilleures ventes et ce qu'ils peuvent signifier, il se trouve que quand même, ben voilà, Connemara en ce moment est dans différents classements numéro un des ventes. Au vu du contenu du livre, ça signifie quand même quelque chose, puisque le Connemara n'a pas forcément le profil du best-seller traditionnel qu'on peut retrouver à cette position. Est-ce que vous avez l'impression d'être dès lors un, devenu un écrivain populaire, comme on le dit, d'un chanteur populaire Et euh, D'ailleurs, oui, qu'est-ce que ça veut dire, être un écrivain populaire Mais ça, c'est un truc, c'est des trucs dont j'avais envie euh, dès euh, Aux Animaux, la guerre, d'être un écrivain populaire au sens où je serais accès, que même ma mère pourrait me lire. Moi, j'ai toujours voulu faire ça. C'est-à-dire que ce soit accessible à tout le monde, mais que ce soit très exigeant, mais accessible à tous. Et que, que ça puisse parler à chacun. Voilà. Donc, si c'est ça, oui. Voilà. Et puis, euh, populaire au sens où peut-être euh, euh, je mens, je. je une partie du projet esthétique et politique, c'est de montrer euh, la grandeur et la beauté de choses euh, qui sont sans noblesse a priori, qui font, font partie de la, de la vie du peuple, de tout le monde en fait. Voilà, et pas des classes populaires, de tout le monde quoi. Oui, donc en ce sens-là, oui, euh, voilà les choses de la vie quoi. Oui, J'ai voulu faire ça et que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc euh, oui, ça me va bien. Merci beaucoup Nicolas. Merci, Merci beaucoup. Merci. Connemara. C'est le titre de votre dernier roman publié chez Est-Sud. Euh, bah, que vous avez dédicacé dans, dans quelques instants, juste à côté. Merci à beaucoup. Merci beaucoup. Passer une très bonne fin de soirée et rendez-vous très bientôt euh, dans ce festival des fractions. Merci à tous.